Aujourd'hui, c'est un lookbook et un try-on, ça se dit comme ça, enfin un essayage de Bleu d'Azur. Coucou les Silver! Aujourd'hui, c'est un lookbook et un essayage parce que try-on, c'est très anglais, j'arrive pas à le dire. De la marque Bleu d'Azur. Bleu d'Azur, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez, j'en porte tout le temps. C'est une marque que j'aime beaucoup. Je suis partenaire avec eux depuis, ça fait plus de 3 ans maintenant. Et j'en suis aussi une ambassadrice. Bleu d'Azur, c'est une marque qui me ressemble. Pourquoi me ressemble-t-elle? Parce qu'elle est pleine de couleurs. Et pas seulement. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette marque, c'est que la plupart des vêtements sont hyper pratiques, faciles à porter. Alors, je vais vous présenter ma sélection de cette mode automne-hiver 2018-2019. Oh, ça fait drôle de dire 2019 déjà. Et pourtant, on va bientôt y arriver. Ça va vite défiler jusqu'à Noël, là. Bon, allez, on arrête de blablater. Je vais vous présenter ma sélection. Cela ne vous a pas échappé, cette année, la mode est aux imprimés animaliers. Alors, évidemment, le léopard, moi, j'adore ça depuis plusieurs années. Vous allez voir, il y a... Je réfléchis, 2 looks où il y a du léopard. Pour ce look, c'est déjà un imprimé léopard que j'ai sélectionné avec ce chemisier. Ce que j'aime beaucoup dans ce chemisier, c'est son imprimé tout en transparence et en légèreté. Vous voyez, il est à manches longues. On peut le porter aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pantalon. Et puisqu'on parle du pantalon, vous allez le revoir plusieurs fois dans ce lookbook. Ce pantalon, voilà, il est terrible. C'est un pantalon noir, vous le voyez, avec plein de petits... Alors, je sais pas comment on va appeler ça, des décorations couleur or sur le côté de la jambe. Ça remonte jusqu'au-dessus du genou et apporte vraiment beaucoup de classe à ce pantalon. Il est facile à porter, vous pouvez le mettre avec toutes sortes de tenues. D'ailleurs, vous allez le voir. C'est le même pantalon que vous venez de voir avec l'imprimé léopard et comme je vous ai dit, on peut le porter avec toutes sortes de tops. Et le top que j'ai sélectionné est un top noir, c'est un classique, c'est un basique. Mais vous voyez sur le haut, il y a de la dentelle avec des motifs noirs et rouges qui apportent une petite touche de fantaisie. C'est juste ce qu'il faut pour un peu agrémenter une tenue qui serait total look noir. Je porte également cette écharpe rouge. Le genre d'écharpe qu'on porte très facilement tout l'hiver et en plus du rouge autour du visage, ça donne tout de suite une très bonne mine. Un autre look très vitaminé que vous voyez là, de l'orange, oui de l'orange, il y en a dans toutes les collections cet hiver, c'est toujours le même pantalon noir que je porte. On peut le porter avec plein de tops différents. Alors le top, il est orange, j'aime beaucoup ses manches évasées vers le bas, son joli décolleté, vous voyez, agrémenté d'une petite chaîne dorée. Moi je trouve qu'il est très bien pour apporter cette bonne mine dont on a tant besoin en hiver. Thank you.
pour ce look, c'est un autre pantalon. Ça y est, j'ai changé. C'est un look pseudo-militaire parce que c'est un pantalon kaki avec des motifs, vous voyez, avec ce petit écusson sur la jambe. Donc, il donne un look un peu militaire avec les poches aussi sur les genoux. Mais bon, c'est juste ce qu'il faut pour donner un peu ce style. Mais on peut le porter là aussi très facilement, là aussi avec toutes sortes de tops. Vous allez voir, là, je porte un top blanc. C'est un pull. Franchement, trop agréable à porter. C'est une maille toute douce, vous voyez, avec ce petit motif autour du cou, avec les lacets blancs qui donnent un petit côté un peu peps, et surtout ces manches tulipes que je trouve magnifiques. On revient sur le léopard avec cette jolie robe. Alors cette robe a une petite histoire. En fait, quand je suis allée faire mes essayages chez Bleu d'Azur, je ne sais pas si j'aurais osé, je l'avais sélectionnée, elle me plaisait beaucoup. Mais comme il s'agit d'une robe assez près du corps, j'avais peur qu'elle soit trop près du corps et ne cache pas assez mes petites formes. Ouais, on va dire ça comme ça. Et puis c'est Céline, donc de Bleu d'Azur, qui m'en a convaincue, elle m'a dit « pas cela ». Et je l'ai essayé et je suis tombée sous le charme. Parce qu'en fait, effectivement, la robe est noire près du corps. Mais il y a ce voile de léopard, on revient encore au léopard, qui permet de cacher un petit peu devant juste ce qu'il faut, tout en apportant une touche de fantaisie que je trouve géniale sur cette robe. Alors dites-moi dans les commentaires que pensez-vous de cette robe, puis des autres tenues. Sur le pantalon militaire qui lui aussi peut être porté avec différents types de tops. Donc là, c'est un top tout doré, un pull. Celui-ci a les manches classiques droites. Ce qui est très joli, c'est l'effet sur les épaules. Vous voyez ici, sur les épaules, c'est tressé en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais vous voyez, il y a des lacets sur les épaules qui apportent cette touche de fantaisie que j'aime beaucoup chez Bleu d'Azur. Vous voyez, un pantalon militaire, on peut aussi le porter avec du doré. Oui, oui. Alors, que pensez-vous de ma sélection Bleu d'Azur? Je peux vous dire que je ne peux plus me passer de ces tenues. Je mixe les tops, les pantalons, puisque les pulls, je les porte aussi avec le pantalon noir. Enfin bref, je mixe tout ça. Ce sont presque pour moi des classiques de garde-robe. Alors, dites-moi dans les commentaires quels sont les vêtements que je vous ai présentés qui sont vos préférés dans ma sélection. Dites-le ici. Alors bien sûr, je vous invite à aller voir tout le reste de la collection automne-hiver de chez Bleu d'Azur, car il y a aussi d'autres vêtements qui sont magnifiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce en l'air. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à actionner la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes prochaines vidéos. Je vous fais des millions de bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.
Alors là, je vais vous montrer un petit délire avec ma fille et son copain pour tourner les images du lookbook. On s'est bidonné. Allez, ciao. Ça l'a jamais. J'avais pas vu que tu filmais. Et t'en as un autre qui arrive sur le côté. Ouais, il y a Dédé le camionneur. Ah là, il est passé. Ça y est, il est là. Ah ouais, il est devant. Là, il fait le petit tour par derrière. Regarde, regarde, regarde. Discretos. Un chouchou. Tu en as du monde sur ta vidéo. Tu veux faire un tour? Vas-y. Vas-y, fais. Passe. Non. Ça l'aura tout le monde. Viens, passe par derrière comme le chat. Vas-y, passe derrière discrètement. Vas-y, vas-y. Attends, moi je fais faire celle qui avance. Et toi tu passes derrière. Ça fait le passant qui passe. Et ta flip qui pisse derrière. Ah bah tout va bien, vas-y. On peut y arriver. Quoi? On m'a vu? Oui. Allez, ça ira.